Bonjour! Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis pour Real Rising! Avec des hérissons. Avec des hérissons, mais vous les voyez pas. Et du coup, toujours en compagnie de Kiox et de Cocofun. Oui. Allô? Voilà, et... Non, le deuxième, non. Le deuxième, il est pas poli. Et et puis dit... Y'a pas de smiley hérisson aussi, je veux dire, c'est quoi Twitch? C'est la merde. Ah bah voilà, la prochaine emote. Je vais chercher pareil sur Etsy. Quelqu'un qui vend des emotes hérissons et hop, on achète. Et toi, je voulais dire. Bah, du coup, est-ce que tu les as maintenus en vie? Qu'est-ce que c'est que ça? Probablement. J'ai totalement oublié, je peux te mentir. Ah, mais je comptais sur toi, moi. Ah mais c'est bon, non. Il est toujours en vie, tranquille. Attends, c'était quelle touche? Oui, c'était ça. Bah il est resté 33 heures à vivre, donc ça va, oui. Ok, il est mort. Ah merde, j'ai coupé le... Mais après, en même temps, ça servait à ça, non? J'ai coupé les pétales de feu qu'on avait. Bah je sais pas si ça repousse ou pas. Ah bah... J'ai pas tenté, parce que pour l'instant, j'ai metté pas la déco. Bon bah tant pis, du coup, ce sera pour le test, voilà. Le témoin, c'est ici. On verra si ça repousse ou pas. Ouais. Et si c'était pour la déco, désolé. Bon, on verra bien, de toute façon. On en remettra. Alors du coup, bah, en fait, il bouffe aussi les outres. C'est incroyable, quand même. Donc, il faut en refabriquer, parce qu'il les mange avec le cheval. Ça a absolument aucun sens. Il pourrait les laisser, hein. Il pourrait les laisser par terre ou genre ça, un truc cohérent. Mais là c'est complètement incohérent. Tout ça pour nous refaire faire des outres. Donc du cuir, donc machin. Donc nanana, boubou. Attends, on va lui ordonner un peu ce qu'on a déjà comme eau. Et puis voilà, il a 47 heures à vivre, bravo. T'as déjà vu un cheval boire une gourde? Oui, non. Et t'as déjà vu un cheval manger une gourde? Et t'as déjà vu un cheval être une gourde? Ouais. Oui. C'est avec du cul à une gourde. C'est réfractaire la gourde. Qu'est-ce qu'on en fait des rats? On les mange ou tu veux les pressoiriser? Parce qu'en vrai, pour ce que ça rapporte en termes de pressoir... Toujours ça, je pense, non? Comme du sang. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille chasser. Un Waouh, mais toi, on comprend rien d'habitude à ce que tu dis, donc un peu plus, un peu moins. Je t'emmerde. Ah waouh, j'aime quand tu me susurres à l'oreille. Ah oui, donc on a des pétales de feu. Les pétales de feu, c'est pour les squelettes. Ça. Pas du tout, c'était des tulipes. Non, je sais plus, je confonds. Oui, voilà, c'est sans les roses sanguines. Je sais pas, c'est des trucs qui brillent. Et les pétales de feu, alors c'est pour qui? C'est pour personne? Pour l'artisanat. L'artisanat de quoi? Utilisé pour remplir certains conteneurs d'eau. Oh, un puits à eau. En structure décorative. Si on veut des récipients vides, c'est 4 de cuir et 20 de fibres textiles. Non. Végétant, non. C'est bizarre ton histoire. Cuir et fibres végétales, est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce que... Après moi j'ai une bouteille en verre, peut-être que la bouteille en verre il va peut-être pas la manger, mais en vrai je crois que j'ai pas le droit de lui donner la bouteille en verre. Il croque en plein dedans. Il croque dedans, ouais, ça a l'air que d'être des outres. C'est des fibres en plus? Non pas du tout. Quoi? J'allais dire c'est des fibres en plus mais non en fait. Ah. Le verre. Alors comment on fabrique du verre, Jamy? Avec du sable, attention. Avec une table de craft. Avec une table de craft. Du coup, on a des fibres et cuir. Papier peint, non. Fenêtre, non. Tapis, non. Mur, non. Extérieur, non. Tout ça pour manier un cheval qu'on n'utilise pas, hein. Et ça, c'est fort. Bah ouais. Tourne, hein. Non, pas du tout.
Ah, faut cliquer plusieurs fois dessus. On en est là dans la misère. Il faut 20 briques en pierre. Laisse-moi les briques. Là. Non, c'est pas des briques ça. Ça, c'est des briques. Pourquoi pas? On peut faire un puits. Un puits? Un puits. On a ça comme technologie? Technologie. Je sais pas, il y avait du papier là-bas. J'ai tout converti en technologie. Ah! Du papier. Ah oui, si. Oui, oui, d'accord. Non, d'accord. Je savais plus ce que rapportaient les. Ah, mais on peut pas. Ah, si, on peut cumuler, mais qu'est-ce qu'il est bait? Ah, ben, c'est bon, on peut cliquer plusieurs fois. Oh là là. Bon, moi je vais aller sucer. Hein. Je reviens. Deux secondes. Alors, toujours ce nouveau, mais il y a rien de nouveau. On a toujours eu un voisin aussi proche en termes de château. Où ça? Où tu vas à gauche? Ouais. Ouais. Bon après ça va, les autres ils se sont pas mis là, mais en même temps, qui voudrait se mettre là où on est? Justement, c'est puisque vous lui inversez. Tu te mets là justement parce qu'ils croient que c'est de la merde et là ça immerse pas du jeu. Bah oui, parce qu'on est en plus juste à côté de l'ours explosif. Du golem, du traînant. Ah, le golem de pierre niveau 36, là je peux me le faire tout seul, regardez, regardez. Hop. C'était pas mal, c'était beau. Il y a eu un petit lancer de fan plutôt. C'est quoi la différence entre un daim et un fan déjà? Ah bon. Bonne question. Le daim c'est un chocolat à bouffer et l'autre c'est un animal. C'est du chocolat tu veux dire? Ça c'est une Square. T'as dit quoi? Du Square Enix? Pas du Square Enix. Moi j'ai compris ce qu'il y a. Une épée plus grosse. Mais qu'est-ce que je frappe à un golem? Moi j'avais dit qu'il me fallait du sang. Mais oui, mais il a tué mon. Voilà, je suis en PLS. Deux secondes. Bon, après j'ai un cœur souillé, donc on va se contenter du cœur souillé en vrai. Pourquoi c'est si chiant à tabasser un golem alors que ça rapporte rien? Oh non, je déconne. Ça rapporte quand même des pierres précieuses, mais. Oh non, c'est partout ça. C'est pour ça que c'est un peu. Je sais pas, je crois que c'est surtout fait pour bloquer des zones, à mon avis. Ou alors. Pour faire chier. Exactement. Bon, je parle des ans faits de chair et. Mais non mais... Ok. De toute façon, il faut aller tabasser Quincy, donc là on est complètement désynchro, mais on va y aller en journée comme pour arriver là-bas en soirée. Ouais. On va partir, on va arriver là-bas, il va faire plein jour. On va être content, tu vois. Non, mais petit trajet comme ça. En plus, il y a un tapis à côté ou pas? C'est au Quincy, forteresse des bandits. Du coup, on peut le faire avec l'ours, c'est vrai, on a besoin d'explosifs. Ça, c'est vrai.
Y a un TP à côté, non pas vraiment. Ouais, du coup, ça devrait le faire, hein, je pense. Sauf que le jour dure moins longtemps que la nuit. Bah si, on avait pris une TP, il me semble. À chaque coup qu'on mourait, on reprenait la même TP. Je sais pas, parce que c'est la même distance du TP que de là où on est en fait. Ah. Et du coup, l'autre château, il est où? Il en est où? Bah, j'ai foutu un peu de trucs dedans au cas où. Parce qu'on sait jamais. Ouais. C'est l'autre château d'Ikei, en plus c'est le mien. Hein. Il est magnifique, il a deux murs. Il n'y a plus d'espace en vrai, donc c'est déjà bien. Mais il faut pas le perdre. Faut le donner aux envahisseurs. Du coup, il en est où ce puits? Il avance? Ouais, je l'ai déjà posé. Ah! Il faut que j'aille récupérer de l'eau au puits pour alimenter le cheval. Il est du côté du tombeau. Le cheval, il y avait de l'eau qui traînait donc je lui ai donné aussi. Oh. Ah, pour alimenter, il est du côté des tombeaux, t'as dit. Ouais. Donc là-bas. Là. Waouh! Mais. Ah, je brûle! Pourquoi tu l'as pas mis à l'ombre? En même temps, il n'y a pas d'ombre. Et comment on alimente. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce puits? Puis à eau, mais on va. Les gens dedans. Tu peux juste remplir tes trucs dedans, apparemment. C'est ce qu'ils avaient dit dans la description. J'appuie sur 7. Ah, voilà. Oui, d'accord. Oui, oui. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort de quoi? Je devrais peut-être fermer la porte pour éviter. Ah oui, mais il meurt facilement les. Invoqués. Non, lui il se promène. On sait pas ce qu'il est, mais il se promène. Il est en train de patrouiller en territoire du château. Et l'autre. Michel est mort. Qui. Okay. Hop. Ah bah oui, tu lui as déjà tout donné. Bon bah on aura d'autres gourdes juste à proximité, tiens, allez hop, ici. Boum. Moi, je garde ma bouteille de verre pour on sait pas trop quoi. Eh bien, let's go. Ouais. Où tu voulais qu'on... Oui. J'ai trouvé des minerais de cuivre sur le chemin là. Ah. Ah oui, c'est vrai que les minerais de cuivre c'est un peu la dèche. Hein. Bah là il y avait pas mal, il y avait plein de dépôts à côté donc j'en profite. C'est vrai que moi j'ai tout mis dans les coffres, j'ai rien mis dans les fonderies et autres joyeusetés. Parce que du coup là-dedans il y avait quoi? Là-dedans il y a de l'argile aussi qu'il faudra faire des trucs avec un jour. Mais du coup le cuir il rentre dans les... On va le mettre là-dedans. Pour nous. Ah oui, il y a déjà moult cuivre. On va regrouper les lingots parce que... On a 16 de lingots de cuivre pour le moment. Ce qui a l'air sympathique mais en vrai c'est peu. Ça part tellement vite, ça sert à tout apparemment. Faire le café et tout. Café, faire ci, faire ça. On a 10 de papier dans le déchiqueteur. Je sais pas où est-ce qu'on met le papier. Il était dans un coffre particulier le papier. Je sais pas. On va le mettre là. Ce sera le coffre qui est à côté des. De rien du tout. À côté du. Du truc à squelette, du brasero brumeux. Et des roses rouges. Les oranges bleues. Tintin et les oranges bleues. Ouais. Bon bah go du coup. Ouais. Moi j'y vais avec, okay. Le cheval. Non je déconne. Le cheval.
Je suis bloqué. Bloqué, bloqué. Contre un arbre, un arbre. Je chante mal. Comme une chèvre. Mais je suis mignon. Mignon, mignon. Mais gros. Comme un ah non, merde. Comme un hérisson. Non, je croyais que c'était la chèvre qui était mignonne. Faudrait savoir au bout d'un moment. Mais 200 mignons. Les deux sont mignons. En vrai, le hérisson, je pense qu'il reste mignon même à l'âge adulte à peu près. Tandis que... Non, 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 son bébé, c'est dégueulasse. Hein. Ah. Ah bah lui, c'est l'inverse du coup, tu vois. Ah oui. Franchement, attends, je t'envoie une photo. On s'éloigne de Béatrice la couturière. La Béatrice la couturière doit être... Peut-être dans le No Man's Land qui est en haut à droite, là. Dans les neiges. Ok, je vais me le mettre un peu en diagonale comme ça. Ah non, ou alors là-haut, tout simplement. Bon, de toute façon, une chose à la fois. Voilà. Ah. T'envoies une photo. Un bébé hérisson, c'est dégueulasse. Oh, un cœur intact. Il a droppé moult choses, lui. Du papier, un cœur intact, tranquille. Mais comment tu... Ah avec les épines. Mais attends, il est où mon téléphone? J'ai pas de téléphone. Comment est-ce qu'il s'en va quand on est? Ouais, mais comment ça, il est avec les épines? C'est quoi ça? Du coup, je suis en PLS, sans téléphone, je suis en train de mourir. Je peux pas me lever parce que je suis en slip. Ouais, ça là, il a toutes petites épines. Merde, il est déjà la nuit. Faut se dépêcher. Mais attends, comme c'est moche. Regarde comme c'est hideux. Ah non, ça fait peur. J'ai tout loupé. J'ai servi à rien, comme d'habitude. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas réparé mon épée, donc du coup... tu le voulais peut-être? Non, non, moi c'est bon. Il est où? On n'est pas du tout bon endroit. Ah ouais, hérisson mignon, mais hérisson libre. Hein. C'est une image très comparative. Oh, piètre. Hein. Pour moi, dans les décès, ça c'est un truc moche. Ouais. D'accord. Ouais. Ah, d'accord. Oh, bah, bonjour, Kelly. Au revoir, Kelly. Bon, en vrai, elle est facilement faisable, elle est niveau 20. On devrait l'éclater. C'est le raison contre Eric, c'était moche. Ouais, non. Bon, ouais, c'est vrai qu'on perd du temps. Ça sert à quelque chose de l'extraire, pas vraiment. Non. Si, ça doit être une donneuse universelle qui change pas le... Qui nous réplénichant, pas du tout. En sang, mais. Ça one-shot les ours à côté. Ça crée une explosion qui one-shot les ours. Il y a un 21%. J'ai 46 moi. Oh, bah, excuse me! Merci. Ça, je vais monter sur la colline, comme ça on va. C'est un shortcut. Par contre, ce serait bien que quand j'appuie sur M, la map s'en aille. Ah, mais il y a. Alors, voyons voir. Hop. Bien, le cercle était à 80%. Là.
Mais attendez, mais les trucs là, ça sert à quelque chose ou pas? Non, c'est bloqué, super. Mis à part Ça c'était. Mais non, enfin, tu... de toute façon, tu peux pas récupérer la source avec le morse. Ah, c'est ça qu'on est en train de dire poliment. Ils avaient dit ça la dernière fois. Enfin, c'est même ma capacité, mais on avait pas vu la dernière fois du coup. Lydia, l'archère du chaos. Mais non, mais il faut arrêter avec tous les gens qui ont des noms particuliers. Oh, mais Jacqueline, tu me casses les burnes! Détrousseur. Ah bah super, bravo. C'est marqué sur le tooltip. Oh, tu sais, les tooltips. Qui lit les tooltips? Les tooltips. Les infobules, déjà, on appelle ça. On est en France ici, là. Toute la journée. Du coup, je vous l'envoie comme ça, vous l'aurez dans la tête toute la journée. Et donc, t'as mis de la musique. Alors, ça, c'est toujours une épreuve de reconnaître quand c'est Kiox qui chante. Oh, ça va, ça. Vas-y, refais. Attends, j'essaie de deviner, c'est mon Irda du jour. Tout tout tout. Puis voilà. Alors... Si vous reconnaissez sur le chat, n'hésitez pas. Ah ouais, mais Solania il reconnaît tout. Mais Solania il a pas le droit de jouer. C'est juste qu'il croit qu'il y a rien quoi. Solania, si Solania il est cheaté. Non, mais c'est qu'il comprend rien, c'est tout. Ah ouais. On va être deux à te le faire et si t'arrives sur pas trop. Bah non, mais c'est sûrement très dégueulasse. Ça doit être. Tu veux qu'on le fasse en appareil pour ça, c'est ça? Tu veux que j'aille prendre ma guitare et que tu joues? C'est une guitare, toi? J'ai pas de guitare. Putain, j'ai un casse vous. C'est très bien. Là, ça arrive surtout, ouais. Je vais juste utiliser dedans. Moi j'ai toujours hésité à acheter l'automaton Kirby, mais il coûte tellement cher. $50. Bon, en tout cas, porté, ça doit pas être si cher que ça en plus. Oh, le knockback qui empêche complètement le. Toute action du joueur. Toute action des joueurs, ouais. On peut dire ça. Ouais. On va être tranquille. Bon, bah, arriver comme contre Jackie, il va faire plein jour, ça, je l'avais prédit. Mais non, mais regarde sur lui, là, c'est bon, les rush. Et on s'en fout de tous les aigus là. Les aigus. On aura même pas récupéré toute notre vie parce qu'on est en combat donc on pourra pas. Juste où est-ce qu'il est. Tu fais des gauche à droite et il joue. Aïe. Mais oui. Au moins il est vivant. Merde.
C'est déjà ça de gagner. En vrai, je crois que je vais utiliser le baume de vermine, attends. Je sais pas, mange-le. C'était une autre musique, ça? Je sais pas. C'est des bruits. Quoi? Des... Ah! Quoi? Et puis tout d'un coup, il crie. Moi, je suis soigné. J'étais très proche de mon micro, en fait. J'étais très concentré sur mon travail. Et... voilà. Moi, j'y vais. Go! Allez, va mourir. Il y a quelque chose là. Ow. Pour le moment, je m'en sors plutôt bien pour mourir. Pas très étonnant, t'as pas. Je suis resté en plein dans les... bon, allez, c'est bon. Les explosions. Genre, ça me touche. Quel jeu magnifique. Pris cher. Ah bah oui, super, bravo. Ah bah, ah bah je me casse, hein. Ça. Mais qu'est-ce que je fais? Je me gourde de touches. Alors qu'il n'y a que 3 touches. Bah évidemment j'ai fait tout le taf. Non, on l'a déjà fait plusieurs fois dernière fois, du coup voilà. Ah, du coup tu joues 100% solo, Solania? Nouveau. D'ailleurs t'en es où? Après avec tes 70 heures de jeu. Non, je sais pas combien tu es, mais... Ah bon, on a une capacité ultime là. On peut tout prendre, je sais pas pourquoi je fais le radin. C'est quoi ça? Ah mais c'est pour le cooldown là. Que dis-tu? Niveau 71, bah non. Il a déjà fini le jeu. Et pourtant, il a pas non plus 10 milliards d'heures de jeu de plus que nous, quoique. J'allais dire, attends, il a combien? Quoi? Alors, 41 heures de jeu, je crois. Et nous, on est à 14. Bon, ok, d'accord.
Bah après il joue solo. Du coup ça rapportait quelque chose? Une compétence ultime. Ah oui, il y avait l'ultime. Alors c'est l'ulti de d'où? Ça? La charge impitoyable, charge vers l'avant et empoigne un ennemi affichant 125% de dégâts magiques et repousse devant vous. Affiche 100% de dégâts magiques de zone. Et inflige étourdissement pendant 1,5 secondes lorsque la portée maximale est atteinte ou lors d'une collision avec un autre ennemi ou un autre objet. On peut trouver le fer. Puisqu'on l'a débloqué, mais après vous savez. Bonne question. Et je suis en train de cramer. Comme d'habitude. Alors est-ce que Béatrice, la couturière, est proche? Histoire qu'on meurt contre elle et qu'on doit récupérer tout d'un stuff. Évidemment. Voilà. Oh mon dieu, je suis étourdi! De toute façon, après ce jeu, on l'arrête bientôt. Hein. On est quand même déjà marre. Oui. Non, mais en plus, c'est triste. Parce que du coup, ce jeu, on va le faire là. Et quand on va. Quand la V1 va sortir, est-ce que vraiment on aura la force de le ressortir? Ça dépend de quel point la V1 est. Voilà, différente de. Ah oui, il faut utiliser le T. T comme ta mère. Ah, c'est pas mal. Bon, on veut un troisième membre dans notre team, team Pouet-Pouet. Solania semble prêt à refaire 40 heures de jeu sur un autre serveur. Mmh. Passive aussi, vas-y. Le problème, c'est qu'il va être cheaté aussi, puis on va rouler sur les ennemis. C'est le problème de jouer aussi avec un PGM. Non, mais il peut pas ramener son perso, c'est sûr, mais... Ouais. Il est bien trop efficace. Et puis en plus, il sait à l'avance quoi faire ou quand comment. Est-ce que nous, on galère? On est perdu, hein, faut le faire, mais où l'idée de le faire? Ah bah, on va le trouver. Il nous faut pas toujours la réponse de tout cuit dans la bouche. Ah, pourquoi pas? Pourquoi tu tapes les villageois? Ah, parce que tu es un vampire méchant. Bah oui, hein, sinon j'aurais pas des lunettes de méchant. Il faudrait donner un handicap à Solania, il faudrait qu'il ait le... Il joue mais avec une seule main. Sans aucun stuff. Sans aucun... Et voilà, il a pas le droit d'équipement. Ou alors il joue mais il faut qu'il reste tout le temps dans le soleil. Le MDR là, le pire handicap. On joue en solo depuis le début, c'est-à-dire. Oh mon dieu, un ours! Niveau 20... Ah, 28 créatures, c'est pas mal. Bon, bah, de toute façon, après, pour faire rattraper les niveaux, ça va très vite, hein. Sauf s'il veut te retaper tout le farm inutile du début, mais... Ça n'a absolument aucun sens. Faut refaire par contre certains boss, peut-être rapidement. Mais il va se taire, Coco, là. Quoi? Mais... J'ai dit quoi? J'ai fait quoi? Ah, c'est pas toi qui parlais? C'est dehors, voilà. Ah. J'ai l'impression d'entendre ta voix tout le temps. Tu dois avoir une voix de... très commune. Ah. Je peux prendre une voix moins commune si tu veux. Comme quand tu fais Babylon's Fall. Ouais. C'est dur de parler constamment comme ça.
Attends, on active jamais le pouvoir de Jackie le. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi, ce pouvoir, qu'est-ce que... on va aller chercher là-haut du quoi, coup là, en fait. T'es peut-être stupéatrice ou je sais pas quoi. Ah, The Rising. Ouais. Ah, j'ai pas mis tant de conviction que ça. On va essayer de faire. On se retrouve pour un stream de Be Rising. Waouh. Wow. Mais c'est parce que toi tu peux te rapprocher du micro, tandis que moi s'il faut que je me rapproche du micro, faut que je lève la tête. Oui, il y a des trucs qui vont feu là. Ah, par contre, tout mon équipement est parti en cacahuète. Hein. Mais c'est la milice. Non, pas la milice. C'est méchant. Ah. Bah, tant qu'il y a le patron. Tiens, il tourne doucement. Ah oui, l'ulti par contre, il y a un petit cooldown. Hein. C'est une vraie ulti, hein. C'est pas une ulti, sinon. Ouais, mais pourtant ça m'avait pas l'air non plus ultra efficace. Bah, ça stun, elle est pas trop ça. Tu le veux? Non, tu le veux pas. Non, non, c'était juste pour le tuer. Oui, 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 oui. Et toi, du coup, t'avais target qui? Bah, lui, du coup. C'est celui qu'on vient de faire. Ah! Bah, pourtant, on savait où est-ce qu'il était. Ouais, mais j'ai pas envie de peiner un peu. Je vais refaire ce bug. Yes. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai laissé appuyer, du coup, ça m'a. Ah! Non, ça m'a donné. Arrête de laisser appuyer, bordel de mince! Bah, moi, j'ai juste de laisser appuyer pour la pêche, désolé. On est désolé, hein. Elle est partout là. Ah. Oh. Si c'était mieux guerrier 21 ou animal 28, mais bon, peu importe. Animal, c'est pas le plus, je crois. Bah, pas que. Quoi? Guerrier, c'est puissance physique. Le truc de base. Toi, tu t'en es à manger des cœurs? Oh, j'en prends maintenant parce que j'avais plus de sucre après métrogène. Apparemment, on se rapproche de Béatrix. Mais parfait, ouais, en plus, on a débloqué un téléporto. Porteur de torche, et niveau 36 pour porter une torche, c'est balèze, hein. Non, mais il la porte très bien, sa torche. Mais il la porte super bien! Franchement, elle était en danger, mais sa torche. Mais il a brûlé son pote! Ah bah super, le porteur de torche! Il est en train de se brûler aussi! Merde, je l'ai tué! Bah, le porteur de torche. Ah, des vaches! On peut avoir. On peut monter une vache? Créature, 19%. 21%, si ça se trouve, il y a une vache créature. Une vache mythique. Avec un niveau 99. Ah, bah, il y a des chevaux. Si tu veux un cheval. Des cheval. On peut en piquer attends, un. C'est. Voilà, c'est une zone découverte ferme. Bah, attends, c'est une zone d'humain, ça, du coup. Oui, ça doit être un village d'humain. Parce que Béatrice, je pense qu'elle se promène pas non plus dans la rue. C'est une couturière. Faut bien qu'elle le vende à quelqu'un. Pas comme les armées de la milice qui sont juste à côté là. Vous êtes habillé avec Béatrice ou pas? Elle est où Béatrice? Elle est où? Oups, pardon. Un villageois niveau 28 quand même, le villageois ouvrier 26%. Il n'y a pas d'argent que midi. Oh, du verre et du fil de coton. Ah, tout faut tout prendre. Par contre, est-ce que mon épée est au bout de sa vie? Et non, ça va.
côté jaune. Ah, un conteneur. Ah, des parchemins. Oh, des parchemins. Oh, ah, puis oh. Oh, plein de trucs là. Des trucs. Apparemment, Solania dit Béatrice lol 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 MDR. Alors pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'elle va nous défoncer la gueule? Ou est-ce que ça veut dire elle est trop facile, hein, trop facile hein. Je pense que c'est la solution numéro 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chien de meute. Campement de la milice, yes. Lumière de la milice, brut 41, ça c'est bien brut. Oh là 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 là, les molotovs ils y vont hein. Oh oui 75 ça. Oula ouais les motos on va se calmer un peu. Ils s'en foutent du friendly fire, rien à branler hein. Faut tuer le vampire. Ah bah je crois que je suis mort. Mais je t'ai protégé. Je me suis pris la balle. En fait t'étais pas du tout là. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es mort? Moi j'ai le droit de mourir mais pas toi. Bon par contre c'est pas moi, j'ai envoyé 75, je voulais pas le tuer. Oh là là, bon, heureusement le téléportail est juste à côté. Moi j'ai le droit d'être nul parce que je suis le streamer, comme ça les gens ils se disent oh là là, incroyable, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus nul que moi et tout. Ça les rassure. Je suis un peu la figure paternelle rassurante. Pourquoi j'ai pas le droit moi alors? Et toi t'as pas le droit parce que du coup voilà tu es un peu le modèle, celui que tout le monde a envie de suivre. Ah oh, c'est incroyable, il joue trop trop bien. Ikari le streamer, c'est lui qui fait tout. Souvent on aime bien, on préfère le... C'est le tien celui-là avec moi. Souvent on préfère le sidekick. Ouais mais en général c'était du goût non. De quoi? En général non. Comment ça en général non? Ah normalement tu préfères pas les sidekicks justement. Bah si, moi j'ai toujours préféré Robin à Batman, Crypto à Superboy, avec Yakid, sort, pourquoi sort? Tout transféré. Yakid. Je viens de trouver du. Ah mais il y a un parchemin, ça par contre il est faux. De la planche renforcée. Parce que vraiment, je vire encore les fibres végétales. Au bout d'un moment, de virer des fibres végétales, bon, allez, le pain, on le portera jamais. C'est pour ça que t'es là dans les jeux coop. Bah oui. Évidemment, Solania. Moi, je dois me concentrer sur le stream. Je dois me concentrer sur l'entertainment. Je peux pas me concentrer sur le skill en même temps. On le tue pas hein. Je crame mais on a un juge, comme on a un juge, c'est bon. Tout va bien. L'huile de poisson. Le cheval il est à moitié cramé aussi. Mon inventaire il est plein le. Tu voulais récupérer l'huile? On dit que c'est super important. Tiens de l'huile là si tu veux. Comme ça, tu es juste à côté de toi. Mais non, mais moi je les ai pas, je peux pas les prendre. Tu l'as pris? Bon, c'est pas grave, on laisse par terre. Sans l'huile de poisson, ça se vite. Sauf si c'est toi qui centralise quelque chose, genre les récipients d'eau. Moi, de toute façon, ce que j'ai sur moi, c'est. Du soufre, beaucoup de cuivre, du fer, des pierres aiguisées. Moi, j'ai balancé du rondin de bois et du cuir. Tiens. Cuir, je crois pas. Vas-y, on en a plein de toute façon à la base. Je pense que tous les trucs qu'on a pas là, genre des gemmes, des trucs comme ça. Pris l'huile de poisson. Des camps de Ganning creuse impitoyable. Je sais pas c'est quoi ça, mais c'est une recette. Une licorne? Non, de Ganning creuse. Comme des loups, je sais pas. Bref. Ouais. Ouais, super. Tout à fait. Bon, celle-là, c'est que. Enfin. Là, voilà, par exemple, en termes d'IA, on aurait bien aimé, genre, une Watchtower. Qui sonne l'alarme, ding 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 ding, alerte des vampires. Bon après ils ont pas l'habitude parce que nous on est quand même Il y a un cheval en rouge niveau 25.
Pourquoi il est en rouge d'ailleurs? Il appartient à quelqu'un? Si y'a tous une félicitation. Ça, je veux. Voyons voir qu'est-ce qu'il a de super spécial. Absolument rien. Il a super soif, c'est tout, mais. Rien tout tout. Je l'abreuve le cheval pour ensuite l'abandonner. Y'a un mange et meurt. Oh non! Qu'est-ce qu'il fait? Il imite le cheval. Mais non, mais quand tu rentres dans les maisons, il lui a dit comment c'est quoi la purée? Ah! Il y a beaucoup de monde là en fait. Au pire, attends. Brut 49%, bon, je prends. Ici, il y a la cloche. Il y a un truc qui fait ding 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 ding. Ah, mais là, on l'entend. Ah, donc t'as pas shot ce qu'il y avait en fait, tu connaissais déjà le jeu. Ding, ding, ding. Un carillonneur. C'est lui, c'est le carillonneur. Il est non. Et on lui dit 18, c'est nouveau ça. Ah, il est ultra solide le carillonneur par contre. Ding. Ah mais attends, c'était... Ah mais je pensais que c'était juste un PNJ normal moi ça. Je sais pas c'est. Un PNJ normal, c'est quoi un PNJ normal? Un villageois? Ouais. Pourquoi il y a un cheval dans la maison de Jacqueline? Et parce que... Ça doit être son mari. Je viens de monter son mari. Ah bah elle est là, Béatrice. Juste devant elle. Je pense qu'elle est choquée. Mais attendez, Béatrice, il m'aimait en fait. Call the militia, elle fait courir. Pourquoi elle fait courir? Ah. Parce que c'est peut-être juste ça, Béatrice, c'est juste une couturière de base. Il faut tuer, sans raison. Le bas, c'est Sonic. Oh. C'est où, Béatrice, rien. Voilà. Mais elle est ultra solide, par contre, hein. On sent que toutes ces couches. De vêtements, évidemment. L'aide à tanker les coups. Reviens là, Béatrice. Mais elle est trop vite. I want to attack. Stop mixing. Non, mais c'est incroyable comme elle esquive. Bah, c'est, bon, spine, c'est surtout moi qui suis pas visé, mais. Reviens, la couture arrière. Le... Ah non, femme. Oups, j'ai tué le villageois en dégâts collatéral. Attends, toi. Voilà, ça marche aussi comme ça. Elle explose dès qu'elle a fini de mourir. Et les cochons vont mourir, et oui, et les arbres et tout, l'univers. Il était redoutable. C'est vraiment l'ennemi le plus compliqué du jeu là. Il doit faire quelque chose d'un peu plus simple là, franchement. Avec quoi? Ou des actions, c'est pas ça. Bon, faisons pas les malins parce que bon. On est mort quand même moult fois contre d'autres personnes. C'est le village de Dawnbreak. Il y a des chevaux, des quartz, des parchemins, des fils de laine, du tissu. Ah! Petite musique. Oh, je veux ce choix là. Mais j'ai une famille. Bah oui, mais super. Moi aussi, hein. Pas du tout. Ma famille, c'est mon clan. Par contre, je me bloque dans tout et n'importe quoi. Et elle a débloqué une compétence aussi. Ouais. La fuite.
Normalement, tu fais plus peur aux humains en fait. J'ai l'impression. Salut. Ah. Forme humaine. Transformé en humain, ce qui vous permet de vous fondre dans les campements humains. Sous forme humaine, vous pouvez interagir avec les commerçants. Ah. Du coup, est-ce qu'on peut interagir avec le commerçant véreux? Après, vous skillez le commerçant véreux. Ou alors c'est d'autres commerçants qui sont un peu moins véreux et qui acceptent du coup la monnaie d'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Christina, la prêtresse du soleil, c'est un 100V aussi? Je me casse! Il y a un 100V là. Hop! C'est quoi un 100V? Ils sont vampires. Non, c'est les lutins en cause, je crois. Je perds des pouvoirs grâce à eux. Comme la mamie là. Christina, bah on doit le faire là, Christina, Bah oui, Il débloque le verre, la bouteille de verre, la potion de résistance au sacré, la potion de rose sanguine. Comment tu sais tout ça? C'est marqué sur quoi tu vas sur son profil. Sur son profil, tu vas sur son profil Facebook. Salut. Mais il est accompagné aussi de... Non, ça va. Une petite tactique. De garde. Sacré. Celle-là, c'est que je l'ai pas touché une seule fois pour le moment. Peut-être tu peux mettre au soleil, ouais. Ah. Aïe. Attends, mais il y a de l'ombre là, ok. Des masses. Comment ça compte? Ok, il compte là, regarde. Ça marche pas, si ça marche. Oh là, mais d'où elle les a invoqués? Elle les a sortis d'où? Mais suis-le! Ah non! Casse pas, hein. Et j'ai un otage, j'entends pas là. Ça va, tu fais bien diversion? Tout à fait. Non, pas du tout. Elle est sur ma gueule. Je sais pas pourquoi elle m'a attaqué, elle est deux secondes. Mais c'est la prêtresse du soleil, ça se trouve, elle réinvoque le soleil comme si de rien n'était. Ah, je pas. Shining Blessing, mais arrête de te heal. Mais peut-être qu'elle a aidé par les. Par d'autres gens, non? J'essaie de tuer les prêtresses, mais ça n'a pas l'air d'aider. Moi, je peux essayer encore, parce que je rapproche tout le temps, mais. Moi, je sais pas, je les tue. Hein. Moi, dans le doute, je les tue. Hein. En vrai, peut-être que c'est ça. Hein. Ah, il commence à contrer. Bien là. Ou alors parce qu'on a un 2. Je sais même pas ce que ça fait érudit sur le coup. Ça fait puissance des sorts augmentée. Ok. Ouais, faut avoir plus d'attaque que ce qu'elle se soigne. Discipline.
Mais bon, tiens, passer, je paye tout l'eau. Ah, 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 ah. Elle me casse les murs, tu peux pas me soigner. Et t'es où toi? T'es en train de me soigner parce que j'étais vraiment même pas en PV. Tu vas t'auto soigner. Eh bien, bon courage. Attends, j'essaie de passer pas mal, j'essaie de te soigner là. Perdu. Nous, on la laisse se soigner tranquillement et elle, elle nous laisse pas de nous soigner. Oula. Je l'ai pas sucé? Apparemment, non. Je devrais me soigner quelque part ou quand comment, mais le problème c'est que pour être full vie il me faut du sang, pour avoir du sang il me faut un villageois. Merci. Elle fait des cons sur les castes, c'est quoi ça? Bon, on compte sur toi. Bah, y'a la milice qui arrive. Mais elle arrive comment? Je les laisse tranquilles, la milice. Mais ça fait des accros. Comment ça, y'a plus de musique? Ah, y'a la couturière qui est de retour! Non, pas la couturière! Oula! Bah, du coup, elle est full heal, donc autant se barrer, non? Elle est full heal, hein? Ouais. Elle est tombée, hein. Ok. Ouais, on se barre par où par contre? Pas par là déjà? Par le chemin qui nous laisse prendre. Et ce sont notre kill, donc. Eh bien. Bah ouais. Compliqué avec là. Un truc c'est que le temps qu'on met pour la tuer, tout le monde respawn qu'à soi. Elle réinvoque, elle se soigne. C'est un combat soit d'endurance, soit de... De burst, ouais. De DPS quoi, soit on lui met à la max immédiatement. Mais attendez, il y avait pas des chevaux, pourquoi on se barre sans cheval là? C'est eux qui ont les chevaux. C'est eux qui ont les chevaux. Ah, tu te gourres pas cette fois-ci hein. Un vilain du capuscule. Comment? Comment ça? Ouais, non, mais c'est bon, regarde deux essais deux fois alors que toi tu galères pendant je sais pas combien de temps là, n'importe quoi. Le mec il est relou quoi. Oh, Yuano du crépuscule, mais super. Moi je le prends. Non, vas-y, sûrement j'ai plus de place. Il en pioche comme si de rien n'était alors que moi j'en ai jamais trouvé de ma vie. Ouais. Tu n'es pas un bon pêcheur apparemment. Ouais, bah apparemment. Le genre de pêcheur là dans le jeu. Avec tous ces entraînements sur ni répliquant pourtant. Ouais mais justement tu copies trop ni répliquant. Oula. Ça brûle. Ah bizarrement un ours qui brûle. Ça brûle fort. Ça brûle fort hein.
me pousse. C'est qui eux? Les malfrats. Je suis où là? Ouais, ça va. Ouais, on peut regarder du coup le château de Jacob avec des trompettes de la mort. Magnifique jardin. Des volets. Attends, il est 87% lui. En bout, en plus, c'est nickel. Il dort du verre. Je sais pas comment on est censé interpréter ces emotes, Coco. Mais ok. Tu crames. C'est-à-dire que je brûle avec de la barbe. Parce que je suis un bear. C'est un bear en fait. Je suis en train de dire que tu peux mouiller en enfer même. Il est en train de, je suis juste en train de dire ça. Non mais ouais. Sauf ah mais non. Mal interpréter les choses qu'on te dit. Hein. On a dit qu'on pouvait pas farmer avec un. J'arrête de faire ça. Lui une pizza je crois là. Une pizza d'ananas en plus. Bien félicitations, tu as gagné V Rising Coco Fun, bravo. C'était la pizza à l'ananas qui t'a fait ça? Enfin, lui c'est tout type de pizza je pense. Il y a un Wii U44 si tu veux. Bon, de toute façon on va le perdre. Voilà. C'est devenu n'importe quoi en fait avec le temps. Qu'est-ce qui est devenu n'importe quoi avec le temps? La musique que j'écoute. Ah. C'est de pire en pire, genre. C'est une musique évolutive. Ah, c'est déchaîné, hein, genre ce qu'il a mis à YouTube. Il dit, bon, on va faire des trucs calmes, pas un peu. C'est ça, c'est exactement ça, c'est plus calme du tout là. On est d'accord qu'il y a que des subs sur ce chat, je peux mettre la pub? Ah, on est 4. Je suis pas sûr non. Du coup. Ouais, mais toi, tu la regardes pas. Tu regardes pas le stream. Si. Ah, si, si. bonjour. Incroyable, bon, ok, d'accord. Bah, X. Si, mais t'as déjà pris. Y'a un petit con qui est volé. Petit con. Attends, parce qu'il faut que je répare mes. C'est des lingots de cuivre pour réparer ces merdes là? Oui. Du cuir aussi. C'est fou tout réparer parce que là c'est tout en PLS. Planche, lingots de cuivre et poudre de gemme. Bon attends, on va balancer tous les matériaux sur les. Lex. Lex Luthor. Voilà, on sait où est Jacqueline, donc inutile de la target. Bah, sachant que entre Christina, la prêtresse du soleil, il y avait Vincent le porte-givre. Il y avait Vincent à la porte vivre, c'est que tout est arrivé du coup. Qui devait être dans. Dans la zone de glace. On doit avoir suffisamment de papier pour faire une recherche du pif, non? J'en ai 22 sur moi. J'en ai 19. Bah. C'est... Parfait. Je les mets à côté du bureau de recherche. Dans le coffre. On appelle ça comme ça un coffre. Qu'est-ce que je cherche moi? Je voulais me débarrasser de tout. Tannerie. Est-ce qu'on a débloqué enfin des nouveaux sols? Non, toujours pas. Peut-être, mais je suis pas au courant. Ça pourrait être intéressant quand même, à un moment donné, d'augmenter la productivité d'autres. Alors, ça, du coup, je peux le balancer. Dusk Watcher Ring, hein, on le connaît déjà 15 fois.
J'ai du 20 parchemins. Parchemins, faut les mettre en bibliothèque la nouvelle. Bon, c'est 75, on est loin là. Quand même. Ah mais l'argile, il faudrait peut-être le mettre là-dedans, au bout d'un. Ainsi que des briques de pierre. Genre je mets ces briques de pierre. Ainsi que de rajoule. Pour avoir un corps de pierre. Pour avoir un moule d'argile, il faut de l'argile et de l'eau. Oh là là, mais l'eau ça devient insupportable. Il me fallait des planches. Je prends toutes les planches. Rien à branler. Arbalète de fer. Ah. C'est quoi le fer ça? Mais pour il faut des lingots de fer. Vu qu'on sait toujours pas où se situe le fer pour le moment. Moi je l'en ai trouvé un peu mais c'était dans la cave quoi, donc à part ça. Pas trop ça. Ce sera pas pour le cheval, c'est. Ces récipients d'eau. Ce sera pour faire des. Ça, et donc du coup il fallait de l'argile, et l'argile était là-haut. 240, ça suffit. Il y a de quoi faire une recherche aléatoire là dans le coffre. Mais là il préfère fabriquer le corps de pierre. Non, on fabrique le moule d'argile. Je sais comment ça marche faire des crafts, c'est bizarre. T'as lancé une recherche aléatoire? Ouais. Enfin, non, j'en ai pas lancé, mais y'a de quoi. Ah, y'a de quoi? Tu veux que je le fasse? Bah, je sais pas, t'as l'air de bien aimer le faire. Bah, tu l'as fait une fois, t'as kiffé aussi. Bon, y'a le puits à eau, je sais pas pourquoi, je peux l'apprendre aussi, parce que j'ai toujours pas appris. C'est ça commun, ouais. Découverte. Boum! Et c'est le breuvage de résistance au soleil mineur. Mais c'est bien de la merde en boîte. Bah, encore un peu de soleil, du coup. Non, on l'utilise jamais. On n'y pense pas d'utiliser ces merdes-là. Ouais, mais. Peut-être qu'on devrait, c'est ça que t'es en train de me dire? Pas faire. Et les parchemins, pourquoi tu. On a 51 ici, dans ce coffre-là. Ah! Il y a les gants de canine creuse impitoyable. Ouais, ça c'est le lit que j'ai trouvé là-bas justement. Waouh. Bah du coup, est-ce que ça vaut le coup que je répare mon équipement? Oui, de toute façon le lingot de cuivre et poudre de gemme. Ça c'est la poudre de gemme. Et lingot de cuivre, bah désolé, je vais en prendre. Ah, je comprends. Bah, de toute façon, je le rendrai le reste. Calme-toi. Non, mais c'est bon, écoute, hein, moi je prends du cuivre, c'est juste pour le laisser là, en train de qu'il... Enfin, pour qu'il prenne la poussière et tout. Il s'énerve, ça y est. Ça, il faut de la poussière de tombe. On a de la poussière de tombe ou pas? Parce que de. Si, c'est bon, on a un tout petit peu. Bah, maintenant qu'on a notre farm à. Haussement. Ah, il y a du papier ici aussi. Et des parchemins. C'est vrai qu'il faudrait tout centraliser. On va mettre ça là. Donc, en termes de parchemin, là, on a assez pour faire une recherche. Non, pas du tout. Et papier non plus. Ça s'alerte. Non, j'étais là. Ah, tu veux d'autres planches? Je t'en remets. Non, c'est bon. Je faisais juste le métier à tisser. Ah oui, c'est vrai, on a débloqué une nouvelle technologie, ce serait bien de la faire. Pas ce qu'on veut dans ce coffre au final. Du cuivre. Le cuir. Bon, les deux. On sait où mettre les trucs. Mettons-le là. Le vivano du crépuscule. Le fil de laine, normalement, ça va dans l'autre coffre nul. Aiguisoire, j'en sais rien. Un bijou doré. Mais j'en sais rien, il y a des trucs que j'ai jamais vu de ma vie. Du coton, mais je sais pas de tu sur le coton en fait. Le tissu, ça se fabrique du coup maintenant. Il faut un seul de couturier à part pour les trucs comme ça. Yes. C'est bizarre leur histoire.
Bon, bah, faudra faire un coffre pierre précieuse pour le distinguer du reste. On va mettre les roses dans le jardin, faire des squelettes. Waouh, oui, ce métier à tisser. Évidemment, tu l'as mis à côté du sol de couturier alors qu'il fallait un sol de couturier. Non, c'est bon, tu as bien fait les choses. Je suis surpris, mais. Non, mais il y a une tannerie, moi je me coûte la tannerie ici. Je te dis, c'est le bon vêtement. Là. Du coup, avec les deux boss. Ah bah là, on est plus que deux sur le live, c'est bon. Seulement de les mettre de la pub. C'est moi qui vais partir. Ça. Yes. Hein? Oui. Non. Oh. Pardon. Ça va? J'ai préparé mes affaires pour. Pour la randonnée. Là, bon. Je sens bien. Il y en a qui sont en week-end, bravo. Parce que voilà, il y en a qui doivent travailler. Comment on fait les nouveaux gants? Oui, j'ai un chapeau, moi. Ouais, chapeau de paille. Alors, pour faire les nouveaux gants, il faut... Hein? Ah non, ça se fait pas dans... ici. Ça se fait pas, en fait. Pour moi qu'il faut un établi... parce que là, c'est un établi simple. Donc... Oui, mais établi de forge aussi, je crois. Un établi de forge. Ouais. Ah oui, mais on a débloqué un atelier de ferronnerie. Une station de travail utilisée pour la fabrication d'armes en fer. Oui, bah bon, on fait des lingots de fer. Tabac chimique, nanana, établi simple. Après, on a raffinage. Métier à tisser, c'est bon. Recherche. Domination. Réserve. Château. Après, c'est château. Parce que t'as vu qu'il y avait un établi de forge. L'établi de ferronnerie, pardon. Oui, d'accord. Non, sol, on n'a pas débloqué de nouveau. En mur, on a... On a débloqué un magnifique tapis. Du papier peint nul et des rideaux nuls. Bon, tout ça, c'est des décors. Enlevez-moi tous ces points. Mais en plus, ils les remettent pour te montrer. Eh, hey, tiens, tiens, tiens. Tiens, je m'en fous. Merci. Donc, on disait quoi donc? Ça. Ah, et, du coup, on va changer. Ça, ça va être l'endroit des pierres précieuses. Donc, ça et ça, ça dégage. Ça aussi, ça dégage. Ça aussi. Tout le reste, c'est bon, c'est ça. Ok. Donc, ça, ça va là-dedans. Il faudra faire un autre coffre. Ah oui, mais alors pour faire un coffre, il faut quoi? Des planches. Ou du bois, je sais plus, un truc comme ça. Je sais même pas où c'est. Voilà, du bois. Ah, 150 de bois. Non, ça c'était les matières premières, mais il n'y a pas de bois dans les matières premières. Ah, là il y a du bois, mais 400, c'est parfait. C'est ça que je veux. Donc là, on va mettre ça là. Ah, c'est dégueulasse. Je déplace le bras zéro. Ouais, tu peux les pousser. Voilà, du coup, comme ça, il y aura un coffre de gemmes et un coffre de pierre. Ce n'est pas du tout la même chose. Ok, bon, moi je vais vous laisser là. De pierre avec du fer aussi. Mais ça marche. Merci beaucoup. J'espère que vous allez ne pas mourir, pour une fois. Ah, bon, on va probablement mourir. Je vais essayer de sécher au maximum. Ouais, des bisous au stream, des bisous à la rediffusion, des bisous au monde entier, parce que plein de bisous, ça transmet le Covid. Voilà. Voilà. Quelle idée là. Chouchou. Oui, il s'est barré, on peut dire des atrocités maintenant. Ouais, tu peux lui dire autant de nappes que tu veux. Oui.
Ça, je vois, vite fait, c'est pas du faire goûter, moi. Parce que. C'est vraiment ce qui manque. Que dis-tu? Une personne en fer, voir s'il y en a pas là, quelque part. Du fer? Du fer, ouais. Du fer? Mais y'a pas de fer, ça n'existe pas. Ouais, mais justement, c'est ça le problème. C'est une légende, le fer. Y'a des gemmes, des gemmes, des gemmes. C'est pas sur un ours que tu trouveras du fer, hein. Alors peut-être. Sans malentendu. On a moult essence sanguine supérieure, enfin moult. On en a quelques-unes et au final ça sert plus à rien maintenant. C'est pour probablement non. Pour le trône, mais. Il y en a pour le trône, il y en a pour améliorer ce château, c'est toujours utile quoi. Ah oui, à améliorer le château, c'est pareil, il faut du fer, moult fer, c'est ça? Non, du verre, qu'on n'a pas encore. Ah, du verre. Bah, on en a 2-3. Si, il faut quand même du fer. 24 fer, 24 verre. Et le verre, on en a 8. On a plus de verre que de fer. Je crois que j'ai trouvé du fer. Après, je sais pas pourquoi, mais je peux pas le taper. Ah. Alors que j'ai du grand cuivre, ce qui est plus haut qu'on peut avoir. Tu tapes plus fort. Et en ours? Ah bah non, tu peux pas. T'es où d'ailleurs? Là. Non, t'es pas là. Là, tu t'es barré à. Ah oui, là-bas. Ouais, parce que du coup, je me suis dit. Oui, ça doit être forcément plus loin. Ouais, parce que ça se mine avec quoi si ça se mine pas avec. Tu en cuivre? Ouais, si c'est cuivre pour faire. Ah oui, mais il y avait les gants. Mais les gants, on avait dit on pouvait pas les faire. Ah non, oui, on sait pas où il les faire. Oui, oui, le fer. Si ça se mine pas avec ça. Oh, c'est une bonne question. Mais ça se trouve, il faut avoir la masse de fer. Parce que il faut dropper suffisamment de fer pour le fabriquer. Ça me paraît très bizarre quand même que ce soit comme ça. Écoute, ce jeu n'est pas parfait. Hein. Ouais. Oui, il y avait l'arbalète de fer. Comme c'est un joueur, ça, ok. Et en termes de fer, du coup, on en a ou pas? Donc, pas du tout, du tout, du tout. Si, on en a un peu, en tant que cuir, justement. Je me pose ça. Dans le truc avec là, je sais pas où. Là où il y a tout le cuivre et tout. On a du minerai de fer pour faire des lingots de fer, et du coup on peut en faire 4. Ouais. 4 ce qui est pas assez, je crois. Et 4 pour faire quoi? Ça dépend. Le trône il en faut 16 en effet. L'atelier de ferronnerie il en faut 32. On a des corps de fer aussi. Et un corps de fer. Et un corps de fer. Bah, on se le carre là où je pense, apparemment. Ok, bon, bah, j'en sais rien, en effet, c'est une bonne question. Bah, des explosifs, peut-être. Ouais, mais ça me paraît très bizarre. Enfin, après, ça se fout, mais. Disons qu'ils sont habitués à être minés avec une couronne, enfin, une bascule, puis après, d'un coup, ils te disent, ah bah non, en fait, ils usent des explosifs. Écoute, hein. Je ne suis pas développeur de jeux vidéo. De jeux vidéo. Donc, je prends les 5 explosifs qu'on a. Non, je déconne, j'en prends 2. Ou alors je les prends tous et. Ouais, ça peut pas être téléporté, quel enfer. Est-ce qu'il faudrait pas faire un château? Ouais, mais le problème c'est que. Genre un château là. Il y a peut-être déjà un. Exposition à l'ail. Ah! Non. Ouais, mais après, faire un autre château, ça serait pas du cool, mais après. Faut avoir de quoi le faire aussi. C'est vrai.
Ouais, bon, je pense que le jeu est basé sur le fait de... Ou alors le ba basé sur le fait de récupérer des chevaux. Ouais. Parce que là, forcément, on a des explosifs, mais on peut pas les utiliser, au bout d'un moment, ça va se voir, quoi. Ouais, bah je sais pas, parce qu'en fait là je viens de voir que j'ai réussi à avoir du fer sur moi alors que j'ai tapé des trucs comme ça. Donc je sais pas si c'est juste de la chance ou... Bon, c'est un bug. Ouais. Je sais pas, moi je suis en train de tourner en rond parce que je sais pas. Toi, moi, c'est un truc de coton. Faut continuer à tabasser des gens. On va laisser les explosifs, bah, tiens, on peut les mettre là. I don't know. Du coup, j'ai ciblé Vincent, le truc de givre, qui doit probablement être dans la zone de glace. Donc soit on peut y aller, ou on continue à attaquer le Ben, village. vas-y, je te rejoins. La zone de glace. Le... Oui. Bah oui, bah, bois zone de glace, je pense. Avec le téléportail ou à pied, parce qu'au final, les deux sont. J'aime pas le téléportail, moi. Vas-y, toi aussi, en téléportage, je te rejoins là-bas. Bon, ça t'as pas. Ah, tu le vois pas, t'as pas la même vision que moi sur la carte? Apparemment, non. Oui, faut dire en même temps. Ah, mais. Ah, moi j'ai pas réparé mon épée. Ok. Bah. Je reviens et je répare mon épée parce que ça va se voir au bout d'un moment. Le seul truc que j'ai pas réparé, non mais allô. C'est quoi? Donc il faut lingot de cuivre, pierre aiguisée, planche poudre de gemme, lingot de cuivre, pierre aiguisée. J'ai pas regardé combien. Si c'est bon, lingot de cuivre, pierre aiguisée, planche. Ah, c'est long. Planche. Lingot de cuivre. Non, ça j'en avais déjà. Poudre de gemme. Ouais. Ok. On va tout remettre ici. Mais non, mieux. Même le bois? Ouais, bah, fuck it. Fuck it. Allez. Hop, hop. Il fait jour, c'est génial. Je sens que dans la neige, il fait pas jour. C'est pas sûr que c'est. Tout pas un bras, moi. Hein? Non, je pensais que j'allais vers toi, mais apparemment, non. Enfin, si, mais Si, mais bon, faut que tu passes par au-dessus. oui. Ouais. Encore un de ces ponts, il y a zéro couverture solaire. Mais attendez, le mec s'appelle Vincent le porte-givre et il est même pas dans la glace. Il se fout un peu de la gueule du monde. Mais c'est où alors? Bah, il est au nord apparemment. Il est pour moi.
foire tes signes, je peux pas. Y'a du quoi? Des clopartes? Du quartz. Ah, ouais. Du quartz. Et c'est ce qu'il disait dans le village des gens, des êtres humains. Ça, je peux le miner par contre. Donc, je vais le prendre. Ça sert toujours, toute nouvelle ressource est bonne à prendre. Même toute ressource de cours est bonne à prendre. Même la fibre végétale. Bah bonjour. Enfin, ce serait là-haut. Bah, il y a la petite route que t'as passée. Ouais. Mais attends, je vais juste aller débloquer le point de TP du coup en bas. Ouais. C'est bon. En vrai, la fibre végétale, on commence à l'utiliser, notamment pour les gourdes d'eau. Ouais. Faites du cuir pour les gourdes? Bah les deux. Ok. Ah, il est pas du tout là-haut, hein. Il est là-bas. Bah, il est dans le village aussi de la prêtresse. En fait, ils sont tous de l'autre côté. Ouais. Bon, en vrai, on va visiter quand même la ferme à coton, en fait. Non, mais du quartz. Très joli. Les poules, on peut pas les taper. Et ces watchtowers, on peut les casser, on peut les... Enfin, c'est des moulins en plus. Bah, d'ailleurs, je sais pas ce que ça génère. Ça tourne, mais est-ce que c'est relié à quelque chose? Pas joli, c'est tout. C'est pour faire joli? Ils sont bien chiés, hein. Il y a peut-être l'employé du mois ici. Il est 17, il est 22, et puis il attaque. Mais il y avait peut-être des marchands aussi, peut-être qu'on aurait dû se transformer en humain. Exposition à l'ail. Ah oui, il y a un gros taille, il y a un gros truc d'ail partout là. Du coup on meurt, ce sera le one shot bientôt? Non, c'est juste que t'as, des... t'as moins d'attaque et de prendre plus de dégâts. L'effet se cumule jusqu'à 100 fois. Et il met pas mal de temps à partir. Et on peut pas le taper là, et on peut pas. On peut rien en faire. Non. Je peux boire des potions pour avoir une meilleure laine, je pense, c'est tout. On avait pas besoin de coton. Si, pour les métalliser. Bon, par contre, faudra rencontrer personne, hein. Parce qu'avec tout l'ail qu'on est en train de se prendre à la gueule. Bah, justement, ils mettent ça dans la description, je sais pas si t'as vu. Vu quoi? Dans la description de l'œil, ils disent attention si vous avez mauvaise haleine et ça augmente la portée de détection des ennemis. Bon, on l'a même pas mangé, comment veux-tu avoir une mauvaise haleine? C'est une capacité des vampires justement, ça les force à manger l'œil et à partir.
On va où? Ah, attends, là, il y a encore du quartz, et je crois qu'il y a le truc que de fer aussi. On visite tout le toute la zone de glace ou on va. Bah, tu voulais pas aller faire le boss que t'avais du coup? Le boss que j'ai, et apparemment il est de l'autre côté du village des clodos, Ouais. donc c'est soit on se fait le village et Jacqueline, soit on contourne et on se fait Jackie, mais sachant que j'ai 29 stacks d'ail à écouler. Bah, le plus simple du coup, je sais pas. C'est celui du bas, non, dans le dans Bon, on va le essayer de village. contourner du coup. Un champ de patates. Tête de carotte aussi. Villageois niveau 25. Enfin, mais bon, on s'en fout un peu. Plein de n'importe quoi aussi à ramasser là. N'importe quoi. Ah, des parchemins, c'est déjà bien. Des machins. La fibre végétale, on sent que tu l'as esquivé. Ouais, on n'en veut pas de ça. Oh, cœur sexe. Bon, j'ai quand même pris parce que. Toujours plaisir. Oula! On est déjà passé par là. Oui, faut continuer. Ah, bah non, c'est par là-bas apparemment. Un ours qui s'enlaille. Non, s'il mange de l'ail aussi. Oh, t'as un cheval là aussi. Un cheval ou ça? En bas. Oh, tant pis, prends celui-là. On a le droit de descendre les pentes avec un cheval. Ouais. Faire shift. Il va sauter. Il va pas poser de questions. Et la confiance. Peur de se casser les os et tout. Surtout un cheval qui se casse une jambe. C'est Typiquement. rédhibitoire. Ouais.
Ah, ça a complètement changé de direction. Et maintenant, il serait de l'autre côté du ravin. Peut-être à la ferme. Je sais pas. On va aller voir à gauche si jamais il y a quelqu'un qui a planté son château, mais tu l'as déjà fait en plus la gauche. Il y avait personne. Ouais, non, mais il n'y a personne, non. On pourrait y planter notre château, mais. De quoi l'avoir, quoi. Quoi le faire plutôt. Déjà pour le cœur de château, bah, on a de quoi faire le cœur au moins. Ouais. On a de quoi faire au moins une porte. Les palissades, même pas. Enfin, pas le bois, ça se farme, mais. Ouais. Parce que si on s'en met à un là, en vrai, c'est pas trop mal espacé. Au centre de la map aussi, ouais. Ça C'est au sent. centre de la map aussi. Au centre de la map, ouais. C'est pas loin du village des humains. C'est pratique pour se faire tabasser la reine. Ouais. Après, il y a l'autre coin, mais celui-là, il doit être pris déjà. On peut le voir, hein. Bon, après. Et là, il faut traverser, je sais pas c'est quoi, le château d'Hyrule. C'est la mine de fer hantée. Ah bah voilà, on peut le faire. Ah bah, vu qu'on peut pas le farmer, apparemment. Bah on va voir comment, si c'était vraiment du fer ou pas en fait. Bah, tu savais pas, c'était pas marqué fer en gros. Non, il y a que dalle. Tu tapais sur un truc, mais tu savais pas ce que c'était. Ouais. Très bien. T'avais pas si hanté que ça, y a plein de gens. Ah mais là on sépare des gens. T'es par là. D'où il me touche alors que je suis à 15 km de lui. C'est-à-dire, je sais même plus lequel est mon cheval, mais bon. C'est bon, c'est déjà. Ouais, alors ouais, on va les amener, non? Je sais pas. Bon, on peut, comme tu veux. Faut au moins les amener un minimum. Ils peuvent se faire voler par n'importe qui. Oula! Très joli lag. Hanté, là. Oula. Ah bah là, c'est hanté, il y a des squelettes. Ah, minerai de fer, si on peut le farmer. On peut farmer ça? Ah, on peut le farmer à l'épée, mais pas à la masse. En fait, c'est le niveau qui compte. Ils disent pas ça. Donc quand je suis à 41, c'est ok. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre ça. Mais bon. Par contre, la durabilité de l'épée, elle doit prendre cher, non? 1201, je mets un coup. 1201, je fais un tourbillon. 1200. Ouais, bon. C'est le niveau d'arme qui compte. C'est bizarre quand même comme mécanique.
c'est parfait, on va pouvoir enfin passer au niveau supérieur. Je l'ouvre 15 fois. Meredith, l'archère. Qu'est-ce que c'est que tout ce merdier? Il y a beaucoup trop de têtes de mort. Il y a un 100V qui se bat. Elle est en train de prendre la max. Comment ce garde peut être aussi fort? Ah bon. Moi je vais essayer de... Ah bon, on peut se nourrir du garde. Attends, mais c'est moi, il y avait un autre 100V aussi. Ouais ouais, non c'est un autre tête de mort mais c'est pas forcément un 100V. Waouh. Lui là Lui bah, je sais pas en fait. Il dash tout le temps, arrête de dash. Elle dash tout le temps, c'est ouf. Ah bah super. Ah mais ça attaque contre eux. Bah oui, ça attaque contre eux. C'est pour ça qu'elle a pris aussi cher. Il m'a sauvé la vie, le commandant mort-vivant. Bah il m'a tué aussi. Si t'arrives à laisser se battre entre eux. Ouais, je vais faire ça. Elle est morte, il faut la sucer. Mais t'as pas le temps. Si c'est bon, regarde. Non, il m'a attrapé. Je crois. Il y aura un peu. C'est bon, je suis invulnérable apparemment. Mais du coup, ça va one shot en plus quand je vais finir le truc. Ah oui, ça va faire l'explosion. Ah non, pas du tout. One shot, mais au moins ça débloque le truc. Ça lui a fait un peu mal. Oh, c'est bon, il y a diversion. Mais ça a débloqué quelque chose ou pas du tout? Ouais, je crois. Non! Bon, bah tant pis. La grid. En plus, on a listé nos chevaux ici. Et on n'a pas construit de château. C'est bon. Parce que si on avait construit un château. On aurait respawn juste à côté. Bon, en vrai, le point d'accès n'est pas très loin non plus. Mais... J'ai l'impression que ça sert à rien de bugger du tout en fait. C'est pas pouvoir. Ah si. Volume sanguine. Un projectile sanglant qui affiche 75% de vos dégâts magiques aux ennemis et soigne les alliés touchés à heure. Ah mais c'est bien ce sort là. Les alliés touchés, donc il faut toucher un allié avec ça? Apparemment ouais. Ou sinon c'est quand tu touches un ennemi, ça soigne les alliés aussi. Ouais c'est pas clair. Bon, je me dépêche d'essayer de récupérer notre stuff, on sait jamais qui va se promener à cet endroit-là. On a trop peu souvent la musique du jeu. Il y en a une au moins de musique. Enfin, il y a juste la musique de combat, mais elle est pas. Bah là, il y a la musique là. Ouais. C'est bien qu'on a changé de zone, en fait, il y en a plus ici. Chez de base, il y en avait pas assez là. Ah, c'est parce qu'on était toujours en combat ou. Super, maintenant je one-shot les brebis. Ils sont des fans.
Oh, j'ai faim. Attends, j'ai pas mangé ce midi, mais. J'ai faim de sang. Oh, j'ai soif de sang. Ambiance à base de. De poète-poète. On connaît très bien le son des cornemuses. Ah là, je sais pas. Je vais même pas dire c'est quel instrument donc. Des violons. Et. Berk le marchand itinérant. Et si je lui parle en tant qu'humain, il me tabasse l'arrêt ou pas? Bah je peux pas me transformer en humain. Ah parce que moi je l'ai pas. Attends. Je peux pas bind non. Ah il faut le bind avant. Je pense qu'il va le sentir hein. C'est un sang V sûrement donc ça met 10 ans pour se transformer en tant qu'humain et tu te déplaces à 3 cm/s. C'est fascinant. Oui. C'est quand t'as un humain tu sais plus bouger? Tu sais plus marcher? Un peu du mal, hein, parce qu'il faut cacher l'éléphant dedans. Je vois ça, hein. Berk, attends-moi, Berk! Regarde, je suis un humain! Mais par contre, j'ai pas de pièces, donc. Ah ouais. Et il vend une tête de cerf, par exemple, pour 300 pièces d'argent. Une potion de résistance à l'ail pour 55 pièces d'argent, des topazes, une graine de tournesol. Des potions de rose sanguine. Ouais, bon, c'est pas ouf ce qu'il vend au final. Tout ça coûte bien cher. Bah, en termes de pièces d'argent, ouais, c'est pas mal. On a pas trouvé autant. Hein. Mmh. Bah, les humains m'attaquent pas, mais le squelette va m'attaquer. Je pense qu'il en a à foutre que je sois un humain. Ouais. Ah bah merde, je suis mort. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La prochaine. T'as pas peur toi hein? Je suis en train de prendre un peu cher mais c'est pas grave, je devrais tenir. Ouais, ça y est, ça du coup. Ouais, c'est pas mal. Ça se tenterait presque en effet. Il y a 3 charges en plus. Par contre, il faut réussir à viser quoi. Voilà, par exemple, j'ai tenté de te viser pendant que tu te promenais. Et... Bon, ça va, ça vite. Hein. On peut soigner le cheval là. Ouais. Voilà. Yes. Par contre, moi, il faut que je récupère du sang donc. En train de se fight le commandant mort vivant là. Cette fois-ci, il faudrait du coup aider Jacqueline pour frapper le mort vivant. Bah, Jacqueline n'existe plus en fait. Ouais, elle va respawn. Au bout de je sais pas combien de temps, mais. On se transforme en humain et bah, je te pique ton conteneur. Comme ça je l'ai récupéré. Bah j'ai pas tout récupéré dedans mais.
c'est où, c'est moi ou... Ah c'est là. C'est quand je passais devant, juste là. Bah, tu veux que c'est un peu marqué sur la carte donc. Bah quand tu récupères, apparemment non, c'est marqué. Mais il est où, il est passé où le commandant du coup? J'ai mal pour nos épées. C'est bon, ça, ça de toute façon les épées. C'est peut-être du minerai et puis après. Est-ce qu'on s'aventure au plus profond dans la mine ou... Après c'est vrai que il y a jusque là quoi. Ouais, on peut se barrer. Attention, moi j'ai plus de place. On s'est pas dit sur le sort que ça te soigne toi aussi. C'est pas mal parce que ça stunlock à moitié le... l'attaque qui soigne. C'est rapide à recharger aussi. Ah mais sur le cheval je farme pas. Ou alors ça... Ah, ça tombe par terre, oui non ça tombe par terre parce que j'ai plus de place. C'est de la poudre de pierre que tu cuites pas celui-là. C'est vrai que la poudre de pierre c'est... Surtout deux. Allez hop, let's go. Let's go se barrer d'ici. Oh là, pas par là. Ah mais il y a l'autre, ce prothèse du soleil ici là aussi. Et c'est fou là. Oh, si on pouvait l'ignorer. Ouais. Ah oh. Ça va être compliqué. Ouais. Mais j'arrive jamais à te viser, ça c'est fort. Comment? Il est où ton cheval? Ah, il est là-bas. Qu'est-ce qu'on fait du coup, un bastion avancé ou on retourne vraiment au... Ouais, dans tous les cas, faire un bastion avancé, c'est compliqué sans ressources. Moi je dis au moins... Moi ouais, je sais pas.
C'est vrai que faire des bastions c'est sexy, mais en même temps ça a pas trop d'intérêt parce que c'est tellement long à déterrer un château que... Ouais, mais toutes les 2 secondes en plus tu vas te retrouver. C'est juste que ça, c'est juste que ça fait un point de téléport en plus quoi. Ouais. Donc s'il y a vraiment c'est espacé avec le fion les. Dommage qu'il n'y ait pas comme dans Diablo la possibilité. Ouais. Moi c'est un truc que je retrouve dans aucun jeu, la possibilité de mettre la carte en surimpression. Diablo 2. Il y a en opaque et après tu peux travailler. Enfin le reste d'opaque quand même, hein. Que tu puisses voir la map à travers le. L'inverse. Enfin, que tu puisses voir à travers la map, ouais. Voilà. Que tu mets le jeu enfin la map en quasiment full screen et. Et que tu puisses voir quand même le jeu. Qui fait ça, je sais plus c'était quoi. Aïe. Là il t'a fait descendre de choix là. Ouais. Pataclap, 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 pataclap. Waouh. Je viens de couper un arbre en deux. On verra, peut-être que je couperai la VOD ici, peut-être que je l'aurais déjà coupé avant. Des bisous, si j'ai coupé la VOD ici. Sinon je vous aurais dit des bisous, mais je sais que vous adorez les bisous aussi. Ou alors j'aurais coupé pendant que quand Cocophone s'était paré. Peut-être. Allez, bisous bisous.